notre compatriote Muriel Aouré. L'histoire de Muriel a commencé justement au championnat du monde d'athlétisme en salle, la médaille d'argent. Son temps, 7 secondes 4 dixièmes. Médaille de bronze à Tatiana Madison, 7 secondes 9 dixièmes. Et médaille d'or à Veronica Campbell Brown, 7 secondes 1 dixième. Une médaille qui ouvre le début d'une bonne carrière. Muriel Aouré ne gagne pas de médaille aux Jeux Olympiques de Londres 2012, mais se frotte aux meilleures sprinteuses du monde. Une expérience qui donne un résultat positif aux Mondiaux d'athlétisme en 2013 en Russie. Elle remporte la médaille d'argent aux 100 mètres et 200 mètres. Muriel Aouré, en finale des 60 mètres, visait l'or. Une décision noble, mais osée, quand on sait qu'en face... Allez, ça part bien, Chélien pour les enfants, c'est également bien parti. Muriel Aouré qui est en train de revenir. Muriel qui est devant, non, c'est Chélien. C'est Chélien pour les enfants qui gagne. Muriel Aouré est deuxième. Muriel se comporte bien, mais la reine Fraser Price frappe fort, se fait respecter. Son temps, 6 secondes, 98 centièmes. Deuxième 60 mètres.